Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Productions. Idéal Productions est basé à Cotonou, au Bénin. Idéal Productions, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Premier rendez-vous comptant pour cette nouvelle semaine. Kodjoya, mettons-nous déjà en place pour nous dire ce qu'il y a de retenir. Des faits matant l'actualité, mais relayés par les canards. Kodjoya, mettons-nous, bonjour. Bonjour, je l'ai tout dit. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Ils sont déjà au poste. C'est le dernier lundi du mois de mars. Kodjoya, mettons-nous, on ouvre, j'imagine, avec la campagne. Oui, il y a la campagne électorale, mais il y a aussi une autre campagne qui n'est quand même pas du goût des Béninois aujourd'hui. Pour rappeler, les écureuils sont engagés également dans la course pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. On l'avait dit ici avec les poulains, Michel Dessuyer allait faire le miracle face au Nigeria, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. 1-0 à l'arrivée, ça compromet donc les chances de qualification des écureuils qui jouent demain face à la Sierra Leone. Eux qui sont également dans la course pour cette qualification. Mais la campagne politique, oui, elle se déroule aussi tant bien que mal, même si ce n'est pas encore la grande affluence, les trois duos sont quand même dans la course pour cette élection et donc tentent de rallier les positions. Sans oublier que dans la République aussi, je l'ai dit, comme ce fut le cas avec beaucoup d'autres entreprises, GEP Afrique aujourd'hui est dans le viseur de l'exécutif et des contre-vérités se multiplient, constate beaucoup de canards ce matin. On va donc y aller, il y a de la matière. On démarre avec Écotigui. Dynamisme Info, puisque vous évoquiez candidature et campagne, et bien lancement de sa campagne au Palais des Congrès, Patrice Talon sort le Qatar pour la victoire. Écrit ce journal et vous avez donc cette photo illustrative qui traduit bien donc ce titre donc à la une de ce journal qui poursuit couverture médiatique des campagnes présidentielles, la presse écrite de nouveau victime d'une sorte de mépris. La Dépêche pour parler donc cette fois donc de ce que j'appelle contre-vérité, Bénin impasse sur l'émission des passeports. Le ministre Agbenossi n'a pas dit la vérité. Et puis, 4 ans après sa démission du gouvernement, Azanaï, ceux qui musellent la presse aujourd'hui, bâillonnent et poussent à l'exil, sont des violents, déclare-t-il. Et puis, parlant de l'affiche du jour, c'est un autre fait de la société aujourd'hui, je l'ai dit, qui se multiplie au Bénin. Insécurité, le kidnapping contre rançon prend une ampleur inquiétante dans la République. Le journal de l'Afrique en marche, blocage de l'émission des passeports, les contre-vérités du ministre Agbenossi. Et puis les écureuils en conquérant Sierra Leone et déjà la guerre psychologique a commencé. Le journal Le Nouvel Observateur, crise démocratique au Bénin. Rogassi et Biaou de dire notre démocratie qui se détériore reflète un schéma troublant contre la présidentielle de 2021 à Paris. La grande mobilisation se prépare. Le pays émergent, 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Le Nigeria qualifié complique les affaires du Bénin. Les limites et les tares de l'entraîneur Michel Dessuyer. Le ministre Osvaldo Mekia attristé par la défaite, mais il a toujours son espoir. Mission difficile, mais pas impossible aux écureuils. Ça se passera donc demain mardi à Freetown. L'investigateur présidentiel du 11 avril, le duo Diemba Houpé, suscite de fortes adhésions. Blocage de l'émission des passeports, les contre-vérités du ministre Agbenossi devant la diaspora. Matin libre pour cette présidentielle à venir. Bénin, campagne électorale. Heureusement que le siège du Parlement est inachevé. Vous avez donc la photo en angle qui explique clairement ce qui est dit à cet effet. Bénin, restauration de la démocratie, Célestine Zanou et le Coder portés disparus. Le journal, le point média pour terminer, commémoration de l'encadre de sa démission du gouvernement Talon. Azanaï veut toujours œuvrer à la restauration de la démocratie. Et puis explication sur la suspension de la production des passeports. Agbenossi n'a pas convaincu, s'exclame ce journal, non-respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Olo dénonce la passivité des citoyens béninois. Merci à vous, Kodjoya. Maintenant, et si on démarrait avec Dynamisme Info. Oui, ce journal qui, donc, ensemble achète, affiche Talon qui sort donc le Qatar pour la victoire. Oui, effectivement, le chef de l'État, après le Palais des Congrès, s'est rendu dans la partie septentrionale du pays où il disait que les 5 années qui sont donc en train de s'achever ne constituaient que l'entraînement
et que la rencontre proprement dite va démarrer dès sa réélection. Alors, si vous avez serré la ceinture durant 5 ans, alors que ce n'était que l'entraînement, quand le match proprement va sera donc lancé, je ne sais pas ce qui sera donc serré à ce niveau. C'est dire simplement qu'il y a de l'ambition, il y a de la volonté, mais tout ça sans visage humain, je ne crois pas que cela puisse participer à un quelconque développement. De toutes les façons, les promesses sont là, faites aux uns et aux autres, mais comme on ne le dira jamais assez, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et tout à fait. Elle n'engage que ceux qui croient à les promesses. Le PM Jean, pour parler de cette note sportive, les Bénois avaient retenu le souffle, mais les choses se sont passées autrement. Tout à fait. Les écureuils du Bénin n'attendaient qu'un seul match nul pour se qualifier, mais malheureusement, les Super Eagles ont donc brisé ce rêve en inscrivant à 10 secondes de la fin du match ce but qui compromet complètement les chances de qualification des écureuils. Eh bien, le Nigeria qualifié complique les affaires du Bénin écrit, le pays émergent. Mais impossible n'est pas écureuil. Ils l'ont déjà fait en 2008, déjà avec la bande à Ouma, Tchomogou, Moussa Latundji et autres. Ils sont allés donc battre les Sierra Leone à domicile par 2-0. Nous espérons que cela va se passer ainsi. Même un match nul nous qualifie, mais une défaite est suicidaire. Cette fois-ci en terre Sierra Leonaise, parce qu'eux, ils ont aujourd'hui 4 points, mais avec un goal average qui les arrange mieux que le Bénin. Donc, une défaite en Sierra Leone compromet davantage les chances donc, de qualification du Bénin. Et donc, toute la nation doit donc croiser les doigts pour que les écureuils fassent quand même bonne prestation en terre Sierra Leonaise. Oui, merci, Kodovia Mitonon. On espère que ça va être là. Bonne surprise, une autre de société, pourquoi pas, avec l'Afrique en marche qui porte à notre attention ce qu'on connaissait déjà, mais là, avec la sortie du ministre des Affaires étrangères, doit-on voir un autre Béninois en difficulté, un autre opérateur économique en difficulté avec son État? Non, ce n'est plus doit-on, c'est déjà acté à partir du moment où déjà il y a une décision de justice qui demande à cette société de payer des dommages et intérêts à l'État béninois dans cette affaire qui l'oppose donc désormais à l'État, on peut dire. Donc c'est GEB Afrique qu'il s'agit ici. Avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche, tout comme la Dépêche, tout comme Point Média, tout comme l'Investigateur. Beaucoup de canards ce matin ont titré donc sur cette sortie du ministre des Affaires étrangères et ont noté donc des contre-vérités à ce niveau. Parce que oui, il est trop facile d'accuser quelqu'un lorsqu'il n'est pas là. Donc, de ce point de vue, il y a des zones d'ombre que le ministre n'a pas fait ressortir, suivant les déclarations, en tout cas les publications, les titres à la manchette de beaucoup de canards ce matin. Oui, il est dit, par exemple, que la société fait chanter l'État, alors que vous savez très bien que vous êtes parti au procès et que vous avez estimé que l'État a gagné. Et de ce point de vue, à un moment donné, vous devez quand même notifier la résiliation du contrat à l'intéressé, ce qui a été fait. Mais quelques jours après, on le rappelle pour dire de reprendre donc les travaux. Mais l'autre partie estime que sans qu'il y ait vraiment une décision qui annule l'arrêt donc du tribunal, elle ne pourra donc pas s'engager. Est-ce que cela... c'est faire chantage à l'État. Dans le même temps, il vous avait demandé, puisque ici c'est un avenant qui est mis en cause, il paraît, on l'accuse donc d'avoir signé un contrat avec des mesures déraisonnables en termes de coûts. C'est ce qui est reproché donc à GEB Afrique dans ce qu'il oppose aujourd'hui à l'État béninois. Mais l'État n'est-il plus une continuité? C'est quand même dommage. On l'accuse même de détenir une clé publique, ce qu'elle a refuté parce qu'elle l'a fait savoir donc aux autorités que cette clé est détenue par les services d'immigration et d'émigration, donc là où le passeport est émis. Par conséquent, ils sont allés donc faire le constat qu'effectivement la clé est détenue là-bas. Donc c'est pratiquement comme si on voit déjà les cheveux sur la tête donc chauve. Mais ici, la société a été, on ne peut plus précise dans ses déclarations. Et donc, ils ont été à la limite confondus. Maintenant, lorsque le ministère de l'Intérieur demande la reprise des travaux et que la société n'a pas reçu donc l'onction des autorités, comme quoi la décision du tribunal est annulée, elle ne se sent donc pas en sécurité pour reprendre du service. Le ministre n'a pas précisé cela. Les chantages ici évoqués par le ministre ne sont pas prouvés. La mauvaise foi dont est accusée la société ne sont non plus
prouver, donc c'est à la limite, comme le journal La Dépêche l'a écrit, et des affirmations gratuites. Maintenant, si ça fait preuve de diffamation aujourd'hui, il serait quand même bien que la partie gouvernementale apporte donc les preuves de ce qu'effectivement elle a fait objet de chantage donc de la part de Jeb Afrique. Mais aussi le ministre qui a juré faire preuve de transparence dans ce dossier n'a pas dit aujourd'hui la société à qui l'impression ou l'émission des passeports est confiée et à quel coût. C'est dire simplement, pour répondre à votre préoccupation, que effectivement un national encore est mis en cause et sera donc une fois de plus brimé à la limite. Mais c'est dommage quand même que ça se passe comme ça dans la République. Vous vous rappelez, au niveau des opérateurs GSM, il y a un compatriote qui a fait les frais à ce niveau. Pour ce qui concerne le marché des produits congelés, on ne le dira jamais assez avec Sébastien Djavon, où il doit payer des milliards de francs CFA au fisc, même si le tribunal lui avait donné raison dans ce dossier-là. Aujourd'hui, c'est la question des passeports, et c'est un citoyen qui gérait donc ce dossier depuis des années, déjà 2002, qu'il est donc entré en contrat avec l'État béninois sans qu'on lui ait notifié une quelconque faute dans l'exercice de cette fonction-là, mais malheureusement, il a plu donc de lui retirer cela, mais qu'on le fasse avec élégance, parce que le mensonge, ça n'honore pas la République, parce qu'on nous lie à l'international, et quand vous faites donc des déclarations de cette nature-là, je crois que ça jette de l'opprobre sur le gouvernement qui régne presque tous les jours, ça s'y entoure désormais, donc ça ne surprend plus. Mais lorsque vous incriminez des gens pour des faits que vous ne pouvez pas prouver, c'est dommage. En tout cas, on retient le souffle pour le Bénin et ses fils ensemble pour développer ce pays. Quand il y a maintenant autre fait qui touche la République et qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement, c'est l'affiche qui en parle. On en avait parlé dans d'autres, au cours d'autres revues, mais là, ça revient avec insistance, le phénomène de kidnapping. Oui, kidnapping, non pas seulement kidnapping, mais avec rançon cette fois. C'est un peu comme si nous nous retrouvons désormais dans un monde de terroristes où effectivement, ces faits qu'on a toujours rapportés ailleurs font aujourd'hui le lit dans la République. Ça fait donc, il y a eu cet enlèvement à Bombay, soldé par la perte en vie humaine. Nous l'avons évoqué, les services de la police doivent redoubler d'ardeur. Mais aujourd'hui, on apprend que le phénomène a étendu déjà ses tentacules, même dans la capitale économique Cotonou, où on apprend déjà au moins deux enlèvements avec demande de rançon. Si vous vous rappelez, le cas, c'est déjà à Tchaourou, entre-temps, où même des agents très proches de l'État ont été donc enlevés. Heureusement, avec la dextérité, les agents des forces de sécurité et de défense ont pu donc retrouver la mise en cause. Mais aujourd'hui, on ne sait plus vraiment comment ça se gère à ce niveau-là. Ça devient effectivement, comme vous l'avez dit, très inquiétant lorsque du jour au lendemain, vous apprenez que c'est votre épouse ou c'est votre mari qui est enlevé et qu'on vous demande jusqu'à 5 millions de francs CFA pour pouvoir donc le relâcher. La plupart du temps, vous ne le retrouvez pas non plus vivant et que ça pose problème et ça doit nous interpeller parce que vous vous rappelez, la DGSE avait publié un rapport dans lequel il disait que les terroristes promettaient donc d'étendre leurs actions au Bénin et à la Côte d'Ivoire. Alors, le terrorisme, ce n'est pas seulement les attentats, ce n'est pas seulement les tirs, mais c'est aussi ça, lorsque des citoyens disparaissent comme ça et qu'il faut aller payer pour pouvoir les retrouver. Merci à vous, quand je viens maintenant. Merci à vous, chers téléspectateurs. À demain.